Welcome to Great Chefs of the World, a culinary survey featuring premier chefs from around the globe. The appetizer this time comes from Luttrellston Castle in Castleknock, Ireland. Neil McFadden serves a mosaic mold with steamed sole, salmon, and scallion. The main course is from Mougins in southern France. Roger Verger cooks a beef tenderloin served on wilted spinach, along with sliced truffles and a veal demi-glace. Finally, dessert is done in Santa Cruz, Bolivia. Juan Magni prepares a cooling mango mousse presented in a pineapple boat, garnished with fresh mango and cherries. The exquisite Moulin de Mougins is just one of the enterprises of Roger Verger. The venerable and dapper chef has won virtually every culinary honor that France offers, and over the years, everything that can be said about him has been said. From his cooking school in Mougins, he offers beef filet with truffles. A piece of beef filet is seasoned with salt and pepper. It will be seared in olive oil and butter. Sal, en poivre. Là, je poivre, c'est pour, donc, le côté piquant du poivre. Chauffé. Enfin, bon, ça va peut-être aller, ça. A black truffle is sliced. On a des truffes fraîches, on prend des truffes fraîches, mais à cette saison, elles ne sont pas encore arrivées. Alors, je prends donc des truffes que nous conservons à la saison des truffes, la saison où les truffes sont le plus mûres, c'est-à-dire au mois de février, nous les conservons dans des bocaux. Alors, Daniel, c'est chaud. Oui, monsieur, vous allez entendre. Ça va chanter. Ça chante. Voilà, alors le beurre ne doit pas brûler, c'est pour ça que j'ai mis un peu d'huile. Pour avoir He says by using olive oil, it keeps the butter from burning. Il doit commencer à légèrement blondir, oui, comme ça. Some garlic is cooked quickly in butter, then fresh spinach is wilted. Vous voyez, il a pris une couleur blonde, il a pris le parfum de l'ail, et à ce moment, je rajoute les épinards, tout simplement dedans. Voilà, c'est bon. Avec une petite touche de sel. Alors là, ce sont des épinards suffisamment jeunes, ça va. Lorsque les épinards sont un peu, dirons-nous, un peu plus faits, un peu plus mûrs, un peu plus âgés, on met une pincée de sucre car ils peuvent être âcres. Là, vous voyez, ça tombe très vite parce que c'est plein d'eau, les épinards. Alors on laisse cuire et les épinards. Et ici, le filet de bœuf. Alors, pour tenir la viande, il n'est pas bon que la viande, si on retire la viande ensuite, on la met sur une assiette, il y a le jus qui s'écoule et la viande baigne dans ce... He says that after the meat is cooked, it will rest on a small plate, inverted over this larger one. This allows all the juices to be retained without the meat simply sitting in them. The garlic is removed and the spinach drained. Voilà. Alors je retire donc les épinards. Donc nous les avons salés. Je retire l'ail aussi. Voilà, l'ail a été retiré. Je les égoutte. Some butter is melted in heavy cream. Pour chauffer les truffes. Alors je mets 2 cuillères de crème. Toujours de la crème fleurette. Voilà. Je vais saler
un peu sans trop toutefois, voilà. Alors, j'attends que la crème se mette en ébullition, elle commence. Je rajoute le beurre. Il est préférable de le couper en petits. Voilà, encore un autre, et puis voilà, c'est bon. C'est assez. Et là, je fouette afin d'émulsionner, c'est-à-dire que les deux ingrédients, la crème et le beurre, ne se séparent pas. Restent dans une même salle. Alors, le steak, vous le cuisez. The hot cream is poured over truffle slices. It should be noted that these truffles were not fresh. It was the wrong time of year. They were preserved in jars. La truffe va chauffer. Bon, vous voyez, je n'utilise pas tout. Voilà, il est maintenant médium rare, comme on dit. Alors, ça voilà. Donc, the fat is drained and the beef dish is deglazed with truffle juice. Donc, il y a un peu de cuisson. Cette opération s'appelle déglacer. Donne-moi une cuillère. Voilà, j'ai déglacé le plat, c'est-à-dire... Then reduced veal stock and heavy cream are added. Des sucs de viande, de la cuisson du filet. Là, vous voyez, j'ai une toute petite sauce qui, d'un côté, sent la truffe. Et... Voilà. Et je vais rajouter à ma sauce un peu du beurre battu. The rested beef is sliced, then presented on the spinach, with each slice separated by truffles. Voilà. Donc, je commence donc par une tranche de viande. Ensuite, selon la générosité, vous mettez une tranche ou deux. Voilà le... Et trois s'il en faut, car il s'élargit. Voyez. Alors, vous avez vu, la crème est un concentré tout de même. C'est assez lié par le fait que nous avons utilisé une sauce qui est bien concentrée. Le beurre. Voilà. Et là, maintenant... Thank you.